Yo les potes, la forme ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire un Dokkan Link Challenge. Mais pas avec n'importe qui, avec la personne qui m'a cassé la tête pendant une journée entière. Oh, j'ai ma soeur à aller chercher. Oh, j'ai un rein à aller donner. Oh, j'ai ceci, cela à faire. On est avec Koai aujourd'hui. Comment tu vas, l'artiste? Ça va et toi? Ça va très bien, écoute. Ça fait plaisir de t'avoir sur la chaîne. Parce que avec Koai, en vrai, on parle souvent ensemble. Mais c'est vrai qu'on fait pas tellement de vidéos que ça. Sur nos chaînes respectives. D'ailleurs, le lien de sa chaîne sera dans la description. N'hésitez pas à aller check. Et aujourd'hui, comme vous le savez, Dokkan Link Challenge, je vais essayer de remettre en place un petit planning entre guillemets. Donc on faisait chaque semaine avant. On va faire la même chose. Mais cette fois, on va dire que chaque dimanche à 18h, il y en aura un. Voilà, j'ai donné ma parole, vous inquiétez pas. Et deuxième chose, le Dokkan Link, il va un peu évoluer, pas tout de suite, là on va garder les mêmes règles qu'avant, mais dans le futur. Donc il y aura un sondage que je posterai dans la description, n'hésitez pas à les cliquer, c'est pour en fait refondre un peu au niveau des liens. Donc n'hésitez pas à aller voter pour les liens que vous voulez garder dans le prochain, voilà, vous m'avez compris. Donc bref, aujourd'hui comment tu te sens Koai là? Est-ce que t'es chaud? Oui, enfin voilà, moi je me sens bien, y a pas de soucis, voilà. Tu te sens bien dans ton bunker, tu te sens en sécurité? Tu oui, penses bah, que tu vas gagner jour, là bah, on verra les liens, hein, on verra les liens, on ne s'avance pas tant qu'on ne connaît pas au moins les liens. Donc ouais. Je rappelle les gars, on va tirer 3 liens par personne, donc 3 pour moi, 3 pour Koai, vous voyez nos deux pseudos s'afficher. On aura le droit à un retirage et on devra constituer une équipe avec ces 3 liens, du coup 2 persos par lien. Si on n'a pas de perso ou du lien donné, et ben on partira avec un Cyberman sur le Dokkan effréné, ça fait plaisir, ou sur le boss rush, mais là bon, on va plutôt partir sur le Dokkan effréné cette fois-là. Est-ce que tu es prêt, Koai, pour le tirage des liens? Bah écoute, moi je t'écoute, hein, et voilà, je t'écoute. Allez, let's go. Let's go, let's go. Ouh, ah ouais, ah ça, aïe, ça fait mal. Aïe. Ah, ça, je le sens mal. Bon, on commence par quel? Allez, on va commencer par les tiens. Alors, le mec, il a eu guerrier suprême, héros justicier et race Saiyan. Alors, guerrier suprême? Tu sais que t'as un système de filtre maintenant dans le jeu, donc... Oui, je sais, c'est pour ça, mais je note. Héros justicier et race Saiyan. Ouh là là, mais ça va la vie, hein. On s'est brouillé. Et moi, j'ai étoile de l'espoir, cruauté spatiale et conseil des boules de cristal. Ça aurait pu être pire. Bah c'est pas mal en soi c'est des bons liens, mais comparé au lien de Koai les gars, c'est chaud. Ouais, oui, c'est oui, chaud, oui, c'est chaud. Certainement oui. Est-ce que tu as un lien à retirer déjà de tête là? Et bah écoute, je vais faire un rapide check. Je fais un rapide check, mais à mon avis, je pense rester sur mes liens. Je vérifie juste un truc. Non, je reste sur mes liens. Putain. Non, je reste sur mes liens. Moi les gars, étoile de l'espoir en fait. Dedans il y a Gotenks, etc. Mais Je sais pas quoi en penser en fait. Je sais pas trop quoi en penser. Bon, on va le garder, étoile de l'espoir. En fait, je suis dans une espèce de dilemme parce que cruauté spatiale, c'est un lien qui est très bon, mais qui est extrême en fait. Donc il y a vraiment des très bons persos dedans. Ouais. Donc si je me souviens bien, c'est les freezers et les couleurs. C'est ça. Sachant qu'il y a toutes les formes de freezer, il y a largement de quoi faire. Mais bon, avec conseil des boules de cristal, ça va difficilement matcher. Donc on va relancer cruauté spatiale, les gars. Et on tombe. Oh mon dieu, sur Majin. On tombe sur Majin. Ouais, ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Bon, donc tu retires pas de lien? Non, moi je reste là-dessus. Ok, on va passer sur la composition d'équipe. Hop. Alors on passe sur le Dokkan effréné. Pour rappel, le leader est un leader qui est déjà défini. Il y a tous les god tiers. Et seulement en Neo, Goku Super Saiyan 4 et Vegeta Super Saiyan 4. Alors bon, ça va être simple. Maintenant on a le petit la petite aptitude de recherche qui est assez cool. Donc on ouais, va juste aller là. C'est parce que en plus c'est trop bête parce que avec je sais plus c'était avec Ekeis, on était en train de dire mais ça sert à rien, c'est même pas très par ordre alphabétique, mais en fait le délire c'était que fallait appuyer sur la petite loupe et rechercher. Bah oui. En fait c'est par ordre des parce que chaque lien a un ID, c'est dans l'ordre des ID des liens. Bon, ça c'est écrit nulle part. C'est comme ça que c'est écrit. C'est comme ça que ça fonctionne alors. Ça fonctionne de cette manière là. Je comprends mieux. Donc ok, pour étoile de l'espoir comme vous le voyez,
Mon choix, il était vite en fait. vrai, Conseil des boules de cristal. J'aurais dû retirer Guerrier Suprême, hein. C'était de la merde, mais c'est pas grave, on va assumer. Ah ah, j'assume, j'assume. Fallait regarder. Conseil des boules de cristal. Et là, hop, ça c'est balèze. Est-ce que j'ai pas la version TI remontée? Ah non, j'ai pas la version TI remontée, punaise. J'assume, ouais. Bon, on va voir. Imagine maintenant. J'ai aucune idée du leader avec lequel je vais partir, les gars. C'est... Ouais, je sais, mais c'est la merde. Ça pue. Je vais partir comme une beurre. Bon. Ah, quoique, en vrai de vrai. C'est héros juste ici que j'ai pas fait, depuis tout à l'heure. En vrai de vrai. En vrai, il y a moyen que... Voilà, moi j'ai ma team, hein. Il y a moyen de moyenner. Il y a moyen de moyenner. Ça va, ah, on a bah... quelque chose de solide. Ah bah oui, voyons, allons-y. On a quelque chose de solide avec mon meilleur ami, là. D'accord, bon. Bon, on va aller sur le effréné. Putain, j'ai même pas mis en ZTVR, lui. Quel échec. Quel échec, mes amis. Alors, donc, le combat, non, pas de super battle. Je pense qu'on va partir avec des transformeurs de qui pour aller plus vite. Les experts vont être ça. Je vais changer un truc. Étoile de l'espoir. On va virer le Gotenks du coup. Parce que ça charge plutôt. Étoile de l'espoir. Est-ce qu'on a. Normalement, on a un Agi, mais il est pas monté, je crois. Des têtes. Ouais, il est pas monté. Ah, quand même. Spécis. Tous les doublons débloqués, mais enfin tous les doublons mis, mais pas d'arbres débloqués. Ça bravo, fait plaisir. Bravo. Ça fait plaisir. On est heureux dans la vie. Passionnez-moi. Alors aucun sens, Mathieu. Moi j'attendais que ça chargeait, final. Bon par contre mon ami leader, ça va être de la merde. Hein. J'ai un leader. Bah, forcément tu vas me dire on est dans le combat de canne effrénée, donc ça bon, va. Pas ça va, ça va. Moi en vrai ça aurait pu être pire, ça va. Le problème c'est que le bah, Goten n'est vraiment pas monté. Mais j'ai pas le choix, hein. Je pourrais jouer le... Bon, écoutez, c'est le jeu. Quoique, c'est hein, le jeu. Parce que je fais un truc risqué. Je joue plutôt... Bon, allez, quoi. J'étais SSJ4, mais alors, à ce moment, il n'y a que lui qui sera mis. Même pas parce qu'il n'est pas éveillé. Bon, donc, les teams sont faites. Je vais commencer par présenter la mienne. Alors, il me fallait le lien pour rappel Majin. Majin, j'ai pris Kid Buu Endurance, le support, et Fat Buu à 100% puits, okay. qui ne bénéficieront pas du leader, puisque j'ai choisi pour le lien Étoile de l'Espoir, Trunks et Goten LR, ainsi que le petit Goten ici présent qui n'est pas monté. Voilà. Pour le lien Conseil des boules de cristal, du coup, j'ai pris le Goku qui n'est pas SP20, qui est SP10 pour le moment, et le Goku de l'arc enfant ici présent. Donc, au niveau des rotas, je sais pas trop ce que ça va donner, mais ça m'inspire pas trop confiance pour le moment. Et toi, Koi, qu'as-tu pris? Ah, bah, moi, ça va. Moi, je me déroule pas mal vu que je joue du coup Gohan LR en leader grâce au fabuleux gain Ras Saiyan, hein, qui m'a d'ailleurs permis de carry également. Le Goten ZTUR. Au niveau du lien, le guerrier suprême, en restant à la catégorie Kamehameha, bah, je ramène le Kamesenin puissance max. Hein, vraiment très très grosse carte. En compagnie de sa version non-buff SR niveau 38 sur 60. Hein, clairement lui qui va carry la game, je pense. Et puis à côté de ça, pour le lien héros justicier, j'ai ramené le fameux Great Saiyaman 4 qui était farmable lors de l'event collaboratif avec Dragon Ball Heroes. Qui a d'ailleurs pas mal aidé le Gohan, vu qu'il a quelques liens avec. Il va le buff, vu qu'il est dans la catégorie enfant, donc ça tombe assez bien. Mais en fait, ils auront qu'un leader, tes persos. Alors oui, j'y viens, parce que du coup, je joue le Great Saiyaman Intelligence, qui va également buff les supers, hein, donc pourquoi pas. Et j'ai pris le parti, je jouais Vegeta SSJ4 AJ en ami leader. Alors pourquoi Vegeta SSJ4 et pas VB? Tout simplement parce qu'en fait, on le sait tous très bien, il n'y a que Gohan qui va faire des dégâts dans cette team. Hein. Soyons réalistes 3 secondes. À part peut-être Goten qui peut se débrouiller vaguement, mais sinon, c'est Gohan qui va me ramener des dégâts. Donc pourquoi m'amuser à perdre 60% de leader sur Gohan alors qu'en fait, c'est lui qui va me cogner. Ouais.
Donc en réalité, si je fais une rotation où je garde Gohan d'un côté et de l'autre côté, je joue plutôt le Goten avec le support du coup, le support Great Saiyaman, ça va ramener assez de défense pour que ce soit potable en termes de rota, même s'ils n'auront qu'un lead. Sachant que le lead il est quand même à 170%, ça va être valable. De l'autre côté, bah, j'aurai le Gohan qui va lancer, qui va être à pleine puissance avec sûrement Vegeta 4. Je verrai en cours de route ce qui est le mieux, mais je pense que ce sera Vegeta 4 quand même à côté, quoi. Donc, ça, putain, c'est marrant parce que je viens de remarquer que le Tenshinhan LR, il a bien conseillé des boules de cristal quand il est en SSR, mais pas en LR. Enfin bref. Pourquoi du coup, au niveau des items, Senzu, Dende, Enma et Fantôme. Ok, je change. Je vais faire ma. Bah, je t'attends au boss. Je fais ma rota. Okay. Et bah, puis, moi je démarre aussi. Hop. On dit qu'on lance, fait 3-2-1, let's go. Alors, qu'est-ce que c'est comme boss? Ça fait une éternité que je défais ce combat de Kano Freni. Ok, donc on a Black, Jubai, Selpui, et puis on a Front Trunks Ikari. Donc, moi avec ma team, je sais déjà où je vais aller. Je sais déjà qui je vais aller taper. Bon, ma première rotation, je peux pas trop me plaindre. Enfin, je peux pas me plaindre clairement. Je suis pas à plaindre. Je peux pas me plaindre non plus. Ce serait un peu de la mauvaise foi de me plaindre. Donc, ce serait quand même la sacrée mauvaise foi même de me plaindre. Vas-y, ouais. 3, 2, 1, let's go. On y va. 3, 2, bon d'accord, il a déjà tapé, je lui ai dit 3, 2, 1. 3, 2, 1. Let's go, vas-y, ouais, let's go. Ouais. On y va. Moi, je suis arrivé à Fast and Furious, on perd pas de temps. On perd pas de temps ici, avec Gwen qui monte à 1,8 million direct. Hein. Ça va, ah, hein, quand même. Comment ça se fait les monter aussi haut? Ah, c'est parce que j'ai le kit boost. Attention les yeux, le Kamessin Spedis SSR niveau 60 qui ne one shot pas. Oh, c'est dommage. C'est dommage. On aurait bien voulu un petit one shot. T'en demandes pas un peu trop là, tu penses? Non. En vrai, non, réellement, tu sais pourquoi il est SSR niveau 60? Parce que j'ai fait un test de dégâts une fois en off hein, pour m'amuser de ce Kamessin. Et en vrai, pour un SR, il tape fort. Vraiment, il monte à 300-400 000, hein, réellement. Pour un SR, sans arbre. Je suis dans un dilemme, là, parce que soit je garde le Vegeta en rotation, sachant qu'il a aucun doublon et qu'il a aucun lien avec le LR, soit je garde le Goku Ozaru. Oula, d'accord. Bon, bah, je viens de finir Gogeta. Hein. Tu viens de finir Gogeta? Je viens de finir Gogo. Gogo, ah oui, Gogeta. Il est rapide, là, le monsieur. Je fasse attention, moi. Le but d'ailleurs, c'est d'aller le plus vite possible. Ou bah, celui qui va le plus loin, si on meurt, mais je pense pas que là on va mourir. À voir. Ça m'étonnerait qu'on. Parce qu'on sait jamais. Bah, quoique, tu m'as déjà fait des trucs assez incroyables, on va pas se gâcher. D'ailleurs, si vous voulez jouer au Dokkanik, il y a le site juste dans la description, donc n'hésitez pas. Ça fait plaisir. Voilà. Oh, un petit Gotenks SSJ3. Qui part quand même à 1,8 million, hein, alors que j'ai des vieux leaders. Pas dégueu. C'est pas dégueu du tout. Bon, par contre, il est tech. Du coup, le premier, tu vas me rattraper. Ah ouais, tu m'as déjà rattrapé en fait. Mais ouais, comment ça se fait? Vaguement, faut que je parte en spé derrière. Comment hein, ça se fait? Il est parti à 600 000 ton. Bah, il est fort en vrai. Hein. Mais il avait qu'un leader. Bah, non, oh, Oh mon dieu, c'est une vanne. Mais c'est une vanne. Allez, non, mais allez, merci. Mais franchement, sur ce... Allez, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le Zao. Tu fais plaisir. Plaisir, frérot. Fais le matin, midi et soir. Moi, ça me va. Ça me va tous les jours. N'hésite pas. Hein. Moi, je suis pour. Hein. Non, mais sinon, il est quand même fort. Hein. Faut pas déconner. Hein. Il est pas mal. Hein, Ouais, bah ouais, c'est bien. Ah, ici, il a quand même 170% de leader, c'est pas horrible hein, pour des events de l'époque. Hein. Ah, c'est clair. Pour des events aussi vieux, en vrai, avoir autant de lead, c'est mais pas mal. Il tape fort, je trouve. Moi, du 600 000 en crit, il a même, alors qu'il a qu'un leader. Ouais, non, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Le Goku Arale qui carry. Après, c'est le crit, hein. C'est le crit qui est très, 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 très fort. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est le crit qui est super fort. Hein. Ouais, c'est caché. C'est cool. Moi le problème c'est que j'ai qu'un cognure quoi, donc j'ai pas un si cognure. T'as qu'un cognure. Il peut se retransformer par hasard, je sais pas si c'est possible. Quoi que mais ouais, non, mais si c'est en possible fait, c'est pas en si fait. Bon que ça en fait. Mais t'es à côté en fait, là t'es au même point que moi en fait. Ah, je me prends une oui, spé, d'accord, première spé. Je suis vaguement, ouais, je suis plus ou moins à côté. On va voir si toi tu vas te prendre une spé. Je pense. Hein. C'est pour ça que j'ai mis Vegeta 4 au début. On va voir. Non, pas de spé.
Non, je vais me la prendre là assez rapidement, je pense. Limite sur le Great Saiyaman 4, il y a moyen que je me la prenne. Non, même pas. Ok. Dans la carotte. Je demande l'arbitre de la fédération de Dokken. Ouais, toujours plus, tu vois. Cette arnaque, franchement, je veux prendre spé. Je perds du temps là. Ouais, mais t'as de l'avance. Parce non, moi, j'ai en vrai, tu vas mettre une spé avec Gohan, tu me rattrapes, hein. Arrête de. C'est très bien. Allez, critique, oh. S'il te plaît, mon pote. J'ai pris un risque en me ramenant sur Jubai parce que lui, c'est un event surtout à vie. A ton avis, j'aurais eu le. Ça, en fait, un LR par exemple, là, j'ai tapé du. Je sais pas, j'ai tapé combien. Je suis à 1,5 million de valeur d'attaque en spé 10, à ton avis, en spé 20. Je l'aurais tué, ça aurait lâché une barre en plus. T'as envoyé combien, tu m'as dit? 1,5 million. Il lui reste une barre en gros. Ah, je sais pas. Ah, je me suis pris toutes les spé. Oh putain, il part en spé, j'avais pas vu. Enfin. Oh, putain, quelle perte. Ah, tu pars en Dokkan mode? Oh, quelle perte de temps. Vas-y, pars. Vas-y, vas-y. Ah, en plus, on doit qu'un mode de grand-mère. Vas-y. On y va, doucement. Ah, il m'a mis vert, là. Ah ouais, là, il t'a bien fait perdre du temps. Ça, quel plaisir. Non, mais ça va, j'arrive, hein. Je suis pas non plus trop long. Ça, quel plaisir. Mais je pense, honnêtement, là, t'es bien parti. Hein. On avait dit le perdant supprime son compte. Non, c'était pas ce qui a été convenu. On a dit dans le contrat, le perdant supprime son compte. Non, je crois pas. Non. Son compte Twitter. Toujours dans la vie. Toujours plus. Toujours dans la vie. Bah ouais, fallait pas m'inviter. Ouais, mais t'as quand même. En fait, j'ai une fraction de seconde d'avance sur toi. En fait, le truc marrant, c'est que toi, t'as qu'une rotation qui tape. Moi, j'en ai deux. Mais toi, celle qui tape à one shot à coup sûr, tu vois. Oui. C'est ça, c'est là où ça joue. Mais tu sais, je suis pas à l'abri d'une seconde transformation en fait. C'est ça que j'ai le plus. Bah ouais, c'est vrai. En vrai, si là il one shot, je suis très très bien. Allez, vas-y, fais-le. Tu pues la merde, t'es vraiment bidon comme personnage. C'est un truc de ouf. Oh, il m'énerve. Oh, pas de SSJ3. Pas de SSR garanti. Ah, t'as la ref. Ah, mais putain. Alors. Bah alors, je dis ça alors, moi je suis pas non plus, moi je suis toujours dans la merde. Hein. Il peut pas rater son attaque comme dans Pokémon, genre précision 80. Ouais, précision. Non, ça existe et pas. Fais attention à tes PV, hein, mine de rien. Moi je suis un guerrier, moi. Ah ouais, attends, tu m'as dit ça, t'es mort. Je crois que t'es mort sur ce boss la dernière fois qu'on a fait un Dokkan Link Challenge. Ah ouais? Je pense que t'es mort sur ce boss. Oui. Bon là, lui c'est sûr que tu le one shot pas de toute façon, c'est sûr. Avec Gohan, si, mais. Oui, avec Gohan, oui. Non mais là, c'est pour ça que moi je pars pas en spé, moi ça fait depuis tout à l'heure. Tu vois, c'est intéressant de voir l'utilité des leaders. Oui, oui, non, c'est très leader sur les deux. Non, c'est très très bon. Non, c'est très très intéressant. Non. Ouf. Ah ouais. j'ai senti un sentiment de détresse infini. Vraiment, j'ai senti vraiment une infinité de détresse qui venait de boostage pendant quelques heures. Bon là, normalement c'est one shot, là, y'a même pas besoin de... Bah j'espère pour toi, parce que si c'est pas one shot, là c'est chelou. Mais frère, oh non, mais je vais mourir. Non, oui. Jamais de la vie. Non, dommage. Il fallait mourir. Il me. Allez, tue-le. Allez, ayo fraté. C'est quoi ce bruit que t'as fait là? Ah non, il m'a vénère là. Quel est ce bruit d'animal là? Mais il m'avait vénère, c'est bon. Et non, mais là, il y a peut-être moyen de tuer. Allez, négocie-moi un kill. On va mettre quand même ça. Là, je tente de double le tout. Comme ça va plus vite. On va pas perdre du temps. Ouais, viens si tu veux, moi je m'en bats les couilles, voilà, zéro dégâts. C'est dingue, hein. Alors qu'il a pas d'arbre, hein, ce Vegeta SSJ4. Il a pas d'arbre, il est vraiment flingué. Hein. C'est un truc d'ouf, les gars. C'est là qu'on voit que quand même l'arbre, c'est très important, même l'arbre gratuit. Hein. Ouais. Bah là, il est vraiment flingué, il fait pas de dégâts. Oh putain, j'ai raté le Dokkan mode. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'à l'époque, les premiers boss, quand on les faisait, on n'avait pas d'arbre. Ouais, bah oui, non, c'est là où tu vois que ces boss là ils sont désuets au possible. Quoi. Ouais, de ouf. Hein. Non, ils sont désuets de ouf, hein, les one shot quoi. La question c'est est-ce que je vais le one shot parce que j'ai pas réussi le Dokkan mode? Ah, ça peut. Non, je pense que tu one shot. Critique? Donc, yes. Quand même. Ah! C'est l'un T là. Ah, yes. Yes. C'est pas transformant au Zaru. Allez, fini! Oh Warida. Warida pour moi. Je fais les tanker Kame et Sennin pour l'honneur.
Oh là là, 2300. 2300. 2300 sur The Cat Battle. On est en 2015. Quel bonheur. Yes. Oh, l'aspect, super. Ouais, canon Gary. Et le gagnant est ici, mesdames et messieurs. Boustachou. Bravo. Incroyable. Et félicitations, moi, une fois qu'il gagne le Canning Challenge. Son propre concept en plus. Bravo à lui. Ah là là. Bon, du coup, le perdant supprime sa chaîne. Donc, j'ai envie de vous dire, la deuxième partie, elle est sur la chaîne de Kawaii. Mais peut-être sa chaîne sera supprimée entre temps. Donc, allez voir si jamais elle n'est pas supprimée. Moi, je vous dis, allez check. La prochaine fois, tu vas tirer le lien. Bien combattant de ma mi-voyante, là, je sais pas quoi. On va moins rigoler. Ah, oh, je vais mettre Devilman. Devilman, il va one-shot tout le monde. Ouais, oh, il va trafiquer les taux, voilà. Ah, bien bah joué. Oui, bien sûr. Ah, bah voilà. T'as vu, Liqueur direct, ça parle de trafiquer les taux. Et bah bravo, voilà. Bah, c'est vrai, les taux sont trafiqués. Non, je vais pas. Non. Après, on va faire des. J'ai trouvé des topics sur le Reddit. Kawaii a dit que les taux étaient trafiqués. Donc, on va faire attention. Ah, mais écoute, moi, je suis le roi de la jungle déjà. Je sais pas pourquoi tu me parles, regarde. Hop. On voit de la jungle. D'accord, Boustache. Et la marmotte, elle met du chocolat dans le papier d'alu. Hein, c'est bien connu. Allez, t'as fait combien? J'ai fait 9 minutes 14. J'ai dû faire 10 minutes, je pense. Non, 9 minutes 42. Attention. Aïe, aïe, aïe. 10 minutes 14. Voilà pour ce petit Doctanique, les frérots. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Ça m'a fait plaisir d'avoir Koei sur cette chaîne. Surtout de gagner contre lui, c'est un vrai plaisir, hein, réel plaisir de gagner contre toi, Corey, comme d'hab. Deuxième partie sur sa chaîne, n'hésitez pas à aller check, vraiment. Et puis, je te laisse le mot de la fin, comme d'hab. Voilà, il méritait pas, il méritait clairement. Ah, mauvais joueur. Bordel. Bon, voilà pour le mot de la fin, écoutez, hein. Je crois que c'est le pire mot de la fin de l'histoire, mais c'est pas grave. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, ciao ciao. Ciao.